Hello there! Bienvenue à notre commentaire d'Éric aujourd'hui en cette journée spéciale du Star Wars Day. May the Fourth be with you! Oh, attends, ça c'est Vulcain. On s'en fout. Alors donc aujourd'hui, pour comme cadeau, Lucasfilm Disney Plus nous offre un nouveau trailer, peut-être un trailer complet, quoi, c'est 1 minute 28. Alors pour la série limitée de 6 épisodes de Obi-Wan Kenobi sur Disney+. Et on sait que la première, qui est le vendredi le 27 mai, sera 2 épisodes back-à-back. Donc au moins, j'espère, un gros 90 minutes d'excitation et de dans l'univers de Star Wars avec notre fabuleux Ewan McGregor dans son rôle d'Obi-Wan Kenobi. Et on sait aussi que Hayden Christensen sera de retour. Alors donc, ce qu'on espère voir, on a senti un peu plus la situation émotive de l'histoire. Là, je veux voir un peu plus d'action, un peu plus d'Obi-Wan dans ce trailer-là. Et même, je serais pas contre de voir Darth Vader, mais peut-être pas Anakin. Si on est pour avoir des flashbacks, je veux pas voir Anakin, je veux juste voir Darth Vader. Donc on le sait que ça se passe 10 ans après la naissance de Luke et Leia, et qu'on est sur Tatooine, et Anne Berry, oncle Owen, s'occupe d'éduquer et d'élever Luke Skywalker, et que Obi-Wan surveille un peu de loin avec ses micro-binoculars. Fait qu'on regarde ce nouveau trailer-là sur On Star Wars Day. Let's go! Tu sais, un peu plus d'action, un peu plus dramatique, ça. Stay hidden. Or we will not survive. Toutes des images qu'on a vues. Leave us alone. When the time comes, he must be trained. Oh. Like you trained his father. Yeah. You still want Kenobi. He's gone. Maybe you've been looking in the wrong places. I want every lowlife and bounty hunter to squeeze him. Oh my god! C'est très bon. You can't escape him. Je pense que c'est ça qu'ils ont dit. Ouh, c'était short and sweet. Bon, c'était le fun de voir le nouveau bras se faire poser, la nouvelle boîte de respiration se faire poser. Tu sais, il a besoin d'entretien. C'est comme au garage. Il amène son char au garage aux 10 ans puis il se fait réparer. Fait que j'espère que les combats de lightsaber seront aussi bons. Dans l'épisode 3, c'était Nick Gillard qui était responsable des combats de lightsaber. Mais là, malheureusement, lui, il est en Australie. À quelque part, ce que je voudrais, c'est au moins que Obi-Wan Kenobi garde sa couleur, sa particularité, son style de mouvement. Et que Anakin aussi. Mais je veux rajouter aussi la rage de Darth Vader qu'on a vu à la fin de Rogue One, qui était assez impressionnante. Donc cette combinaison-là pourrait donner quelque chose d'intéressant visuellement et sans défaire ce qui a été fait dans la trilogie. En tout cas, on a bien hâte. Fait que le 27, 2 épisodes back-à-back. Ewan McGregor a même fait une vidéo pour faire la publicité de tout ça. Et on va avoir beaucoup de plaisir. J'espère que ça ne sera pas à 3h du matin. Mais en tout cas, on le regardera à l'heure que ça sortira. Alors, share, like, subscribe. Puis on se revoit bientôt pour un autre commentaire d'Éric. Ciao!